et je vous remercie d'accueillir chaleureusement le groupe Chanson Plus Bifluoré. Mais on les voit là, on regarde. Ok, man. Salut, bonsoir, bienvenue à Saintes ce soir pour ce 50e festival du jazz et de la gastronomie. Avec Chanson Plus Bifluoré. Salut. Le jazz et la gastronomie, ça tombe bien. Le spectacle s'appelle Cuvée très spéciale. À vos fourchettes. Miam. Ce soir encore, je renouvelle le corps à corps avec nos pâtes de foie. Mais cette fois, c'est la charcuterie premier choix. La charcuterie premier choix. Sûr, je vais m'y reprendre deux fois. À deux fois, révolte, volaille, sauce, mayonnaise, la peau salée. Boule grillée, miam, filet de porc purée. Toilette de vos panés. On fait le refrain. Allez, c'est parti. Agade. C'est le repas de Guiwa. C'est le repas de gala. C'est le repas de Guiwa. C'est le repas de gala. Fameux repas de gala. Pour continuer, j'en goûterai les crudités et le saumon mariné. Sans oublier le fameux saucisson fumé. Le fameux saucisson fumé. Condition d'y ajouter. Quoi donc Alors, quelques choux farcis, une centaine de crevettes et un gratin dauphinois. Noix de veau. Un roulé de veau et puis un sauté maringo. Le sauté maringo, mesdames et messieurs. Ah, rosé d'un bon Beaujolais ou d'un pinot des Charentes. Chorus à Galerie. Au piano, Sylvain Richardot. Sylvain Richardot. Alors celui qui saute comme un cabri tout au fond de la scène là-bas, c'est Xavier Cherrier, le Bordelais. Eh oui. Attention, c'est parti. Agade. Agade, oui. Woo!
À la batterie, Michel Pignot. Merci les filles. C'est le repas boogie wa, boogie boogie wa. C'est le repas de gala, boogie boogie wa. C'est le repas boogie wa, c'est le repas de gala. Bon, allez, on passe tout de suite au dessert. Attention, à vous. Crêpe Suzette, à vous. Crêpe Suzette. Plus fort. Marquise chocolat. Marquise chocolat. Allez, marron glacé. Marron glacé. Rocher congolais. Rocher congolais. Ouais, tarte sans intrus. Opaline vanillée. Un savaillon, un gâteau meringué. Une petite prune, mon vieux calva, pour nous permettre de digérer tout ça. Un bon café, un cigarillo parfumé. C'est le sommet de la soirée. Attention, scène, on va chanter le refrain, c'est parti. C'est le repas boogie wa, boogie boogie, j'entends rien. C'est le repas de gala, boogie boogie wa. C'est le repas boogie wa, c'est le repas de gala. Attention, à scène, tout seul au galet, on va voir, attention. C'est le repas. Oui, super. De gala. Oui, de gala. Ouais, c'est le repas boogie wa. Ouais. Ah ouais, ouais, quel ouais, pour les filles, tout le monde. C'est le repas boogie wa, boogie boogie wa. C'est le repas de gala. C'est le repas de gala. Ça c'est le repas de gala. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Bon appétit. Je voudrais vous présenter l'orchestre de chambre du Conservatoire de musique de la ville de Saintes, accompagné par leur chef Jean-Nicolas Richard. On l'applaudit, on les applaudit. Il est beau, hein? Eh oui. Bien, alors, on va en attendant une petite devinette. Ah oui, une devinette, j'adore ça. Un petit jeu. Un jeu, c'est bien. Hein, alors, donc, c'est sympa pour un samedi soir. Oui, alors, un monsieur et madame. Oh, que c'est beau. Alors, monsieur et madame Brel ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Jacques? Non, une fille. C'est une fille. Une fille. Francisca. Francisca Brel. Oh. Ça commence bien. Un tour de clé et je démarre. Devant mes yeux, il y a comme du brouillard. T'entends, le moteur se met à rugir. J'ai pas le permis, mais je sais conduire. Et ça continue, encore et encore. Tu crois que j'ai bu, d'accord, d'accord. 1, 2, 3, 4. Sans 80, putain, je me traîne. Mais y'a l'antenne, je crois qu'il me freine. J'suis plus rapide qu'une panthère. Et bien plus puissant qu'un hélicoptère. Et ça continue encore et encore. Tu crois que j'ai bu, d'accord, d'accord. Hey. Quelque chose vient me heurter. Un chevreuil ou un sanglier. C'est toujours la même bête qui passe. Je sais pas ce que c'est, oui. Quand je suis au volant de l'espace, faut personne ne va. Personne. Volant. Faudrait pas qu'ils arrivent à me rattraper. Faudrait pas qu'ils arrivent à me coincer comme ça. Faudrait pas qu'ils arrivent, j'ai jamais le papier. Ne dis jamais du mal de ma bagnole. Sans ma roue crevée, il ne m'avait pas. Et ça fait marrer les poulets qui me gaulent. Les poulets qui me gaulent. Les poulets qui me gaulent. Et vient le moment de l'alcool test. Les résultats sont des plus funestes. Pendant que les agents s'exaspèrent, je démarre et puis j'accélère. Mais il a paru encore et encore que j'étais foutu, d'accord, d'accord. Mais il a paru encore et encore que j'étais foutu, d'accord, d'accord. Je veux pas finir en prison pour un lièvre ou un hérisson. Je revois ces tas de bêtes qui passent. Ah, quand
c'est des eaux dans l'âme de l'espace. Espace. Pas les personnes et devant. Personne. Mais non, personne vous les corps. Personne. Personne. Peu cher. Bien. Sans transition maintenant, une chanson en hommage à la CGT. Non, n'ayez crainte, rien de politique dans tout ça. CGT, Computer General Technology. Voici une chanson avec des vrais morceaux de pommes à l'intérieur. Pom 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 pom. Je vous l'avais dit. Depuis que je fais de l'informatique, je n'ai plus que des embêtements. Ah mon Dieu, quelle gymnastique, c'est pas tous les jours très marrant. Mais attendez que je vous explique tout ce qui cause mon tourment. J'ai le Mac qui est patraque, le PC déglingué, le Pentium sans calcium, j'ai l'écran qui est tout blanc, le disque dur, pas bien dur, le clavier tout bloqué, le modem qui a la flemme, l'imprimante bien trop lente, la cartouche qui se touche et les bus qui abusent, les polices qui palissent, le DVD fatigué, le scanner cassé nerf, menu pomme dans les pommes, le CD-ROM c'est tout comme, la mémoire sans espoir, les options en option, la souris rabougrie, le mulot bien trop gros. Ah mon Dieu que c'est palpitant toute cette informatique, ah mon Dieu que c'est palpitant, mais qu'est-ce qu'on perd content. Bravo Michel. Merci. Non mais quelle mémoire tu as. Oh, c'est un métier. Ah, je vais essayer mais alors, je garantis rien. Comme j'ai un bug dans le système, je téléphone au réparateur. Il me demande quel est le problème. Je vous écoute, j'ai un quart d'heure. Je suis dit, soyez pas si pressé. Je vous en prie. Laissez-moi vous expliquer. J'ai le Mac, les patraques, le PC déglingué. Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout. J'ai l'email qui s'en mêle, les circuits qui sont cuits, le raccourci, rikiki. J'ai l'index qui perplexe, les pixels en rondelles, l'USB constipé. J'ai les bits qui s'agitent, la sauvegarde pagaillarde, la disquette qui caquette, l'utilitaire qui a des verres, les icônes qui déconnent, le processeur qui est farceur, le graveur qui est en pleurs, le lecteur qui balbeur, le moniteur et ta sœur. Ah mon Dieu que c'est palpitant toute cette informatique. Ah mon Dieu que c'est palpitant, mais qu'est-ce qu'on perd comme temps. Bravo pour la mémoire. T'as vu ça, non? Oh tiens, voilà que ça, voilà que ça vient. Salut. J'ai invité la belle Suzanne l'autre jour au cybercafé. Elle m'a dit... Je préfère ta bécane. Allons chez toi, fais-moi surfer. Hélas, ma machine est en panne. Oh, galère. Je réponds, je suis désolé. Oh, ben tu peux, oui. Récapitulons. Si tu veux, tu sors bon. J'ai le Mac qui est patraque, le PC déglingué, le Pentium sans calcium, j'ai l'écran qui est tout blanc, le disque dur pas bien dur, le clavier tout bloqué, le modem qui a la flemme, l'imprimante bien trop lente, la cartouche qui se touche et les bus qui abusent, les polices qui pâlissent, DVD fatigué, le scanner cassé nerf, menu pomme dans les pommes, CD-ROM c'est écran, la mémoire sans espoir, les options en option, la souris rabougrie, le wifi tout bouffi. Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout, j'ai l'email qui s'en mêle, les circuits qui sont cuits, le raccourci rikiki, j'ai l'index qui est perplexe, les pixels en rondelles, l'USB constipé, j'ai les bits qui s'agitent, la sauvegarde pagaillarde, la disquette qui caquette, l'utilitaire qui a des verres, les icônes qui déconnent, le processeur qui est farceur, le graveur qui est en pleurs, le lecteur qui balbeur, l'onduleur, quelle horreur. En plus ça, je vous cache pas, j'ai aussi quels soucis, les octets pas très frais, les virus plein tonus, les majuscules qui se bousculent, les minuscules qui copulent, le Windows qui est morose, les programmes c'est un drame, et la puce en lotus, le cordon en tire-bouchon, les MS-DOS qui a des bosses, les menus mal foutus, logiciel mon mari, et l'audio qui est idiot, la carte son qui est marron. La couleur, quelle horreur, les fenêtres qui se pénètrent, les symboles qui s'affolent, le système bien trop blême, le réseau qui prend l'eau. Et du coup, voyez-vous, il vaut mieux que vous partiez, car je sens ces navrants, je peux plus rien maîtriser. À mon Dieu que c'est palpitant, toute cette informatique. Allez. À mon Dieu que c'est palpitant, mais qu'est-ce qu'on perd comme temps. À mon Dieu que c'est affolant, toute cette informatique. À mon Dieu que c'est affolant, mais qu'est-ce qu'on ferait sans. C'est mieux quand ça marche. And now, ladies and gentlemen, this is the jingle. Oh.
bienvenue ce soir à Sainte au Shaker à Chanson. J'adore ce jingle. Le Shaker à Chanson, le Shaker à... Le Shaker à Chanson est de retour, le Shaker à Chanson est revenu. Mais, oui, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça, le Shaker à Chanson? on se le demande. Eh bien, c'est très simple, en fait. Nous avons volontairement mélangé des chansons, textes de l'une sur musique de l'autre, et vice-versa. Ah, c'est chouette. Oui, prenons par exemple cette grande dame de la chanson qui est Barbara. Ce grand monsieur de la chanson qui est Yves Duteil. Barbara, Yves Duteil, prenons la chanson de Barbara, « Dis quand reviendras-tu ». Tu connais? Oui. « Dis quand reviendras-tu, dis au moins le sais-tu que tout le temps oui, qui voilà, passe ne se rattrape pas. » Voilà, prenons la chanson d'Yves Duteil, « Le petit pont de bois ». Le petit pont de bois qu'on traversait naguère voilà, pour ça. Passer la rivière. Voilà. Barbara, Yves Duteil, le petit pont de bois, dit quand reviendras-tu. Eh bien, mesdames et messieurs, on mélange tout ça au shaker à chanson. Voilà. Et ça donne ceci. Pom, 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 pom. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Dis quand reviendras-tu, dis au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère. Dis quand reviendras-tu, dis au moins le sais-tu, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Que tout le temps qui passe ne se rattrape guère. Tout le temps perdu ne se rattrape plus. Et oui, c'est bien, hein. Oui, le shaker à chanson, mesdames et messieurs, le shaker à chanson. Maintenant, on mélange les deux chansons à l'envers, Barbara et Duteil, le petit pont de bois dit quand on revient dessus. On mélange à l'envers et ça donne ceci. Souviens-tu du pont qu'on traversait naguère pour passer de la rivière tout près de la maison? Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et de piquer tout droit. Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et de piquer tout droit. Si tu reviens là-bas, tu verras la rivière où j'ai refait en pierre le petit pont de bois. Le petit pont de bois. Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que pas un grand mystère, que pas un grand mystère et de piquer tout droit. Le shaker à chanson, mesdames et messieurs, le shaker à chanson, eh bien, nous y reviendrons un peu plus tard dans la soirée. Eh bien, je voudrais maintenant vous présenter, accueillir les chœurs de classe de formation musicale de Delphine Chaublet. On les applaudit. Les voilà. Des plus en plus difficiles. Voilà, ils sont nombreux, n'est-ce pas? C'est sympa. C'est une sorte de procession, n'est-ce pas? J'adore ces moments un petit peu sympathiques. Bien, et leur chef, bien entendu, Jean-Nicolas Richard. Et il est revenu. Et oui.
bien. Comment on va? Mais comment on va faire? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que ça veut dire là? Non mais enfin c'est n'importe quoi. Alors, pour baritonner ou sopraniser, faut la travailler, mais il ne faut pas la rayer. La perfectionner, la tonifier, la placer, l'accorder. Faut la surveiller, la déverrouiller, la carillonner, l'harmoniser, la déclamer. Ne pas la sous-estimer, la déprimer, la malmener. Surtout ne pas la turlupiner, encore moins la démantibuler. Surtout ne pas la raffariner, encore moins la sarcositionner. Faut la gazouiller, la chocolater, la désenrhumer, la coquiner, l'ensoleiller. La porter sans l'épuiser, la laisser nous chanter. La voilà, 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 la voilà. On peut la blesser, la voir s'enrouer le jour du concert. Elle peut tout à coup nous lâcher. Il faut alors opérer car on peut la perdre à jamais. La rééduquer prendra des mois, des journées, des années. Mais il faudra bien patienter. Comme elle est fragilisée, elle a besoin d'être assurée. Surtout ne pas la cortisonner, encore moins la cryogéniser. Surtout ne pas la filioniser, ni non plus la copiser. Il est dangereux de la politiser. Faut la préserver, la réconforter, faut l'énergiser, la déstresser, la yogiser, elle est maître câline. Faut la mieliser, la propolisser, la dorloter, ne jamais la forcer, faut tout simplement la libérer. Surtout ne pas la désaccorder, encore moins la monopoliser. Surtout ne pas l'obispoliser, ni même la Star Academy. Faut la pimenter, la libertiner, l'improviser, mais par-dessus tout la musicaliser. La voilà, la voilà, la voilà, la voilà, la voilà, la voilà, la voilà. Baritonner ou sopraniser, faut la travailler, mais il ne faut pas la rayer, la perfectionner, la tonifier, la placer, l'accorder. Surtout ne pas la turbiner, encore moins la démantibuler. Surtout ne pas la filioniser, encore moins la sarcositionner. Sarcositionner, qu'est-ce que ça veut dire? Je ferai triompher mon honneur, pas vrai François? J'aime ma femme et je ne me retirerai pas. Yo man! Yo man! La voilà, 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 la voilà,
soupape s'ouvre, le piston pousse en montant, le piston pousse en montant, et tout ce système fonctionne en utilisant une énergie périodique du mélange carburant. Aspiration, compression, temps moteur, expulsion sont les données de la propulsion. Mais attention, nous ne parlons ici que des types de moteurs à explosion. Oui! Quel est le principe du moteur à explosion? Quel est le principe du moteur à explosion? Voilà. Le principe d'explosion. Le principe d'explosion. Quel est le principe du moteur à explosion? 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 Moteur, quel est le principe du moteur à explosion? Moteur, quel est le principe du moteur à explosion? Moteur, quel est le principe du moteur à explosion? Moteur, quel est le principe du moteur à explosion? L'énergie thermique produite par combustion. Produite par combustion, produite par combustion, 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 combustion. Voilà le moteur à explosion. Mais non, ah, mais non, excusez-moi. Voilà le principe du moteur à explosion. Il fut à l'époque une vraie révolution. Une vraie révolution. Une vraie révolution. Merci beaucoup, le moteur explosion. C'est tiré de Le Loup, la biche et le chevalier d'Henri Salvador au départ. Voilà. Attention. Et tiré de la comédie musicale. Non. C'est quoi? C'est ça. Tiré. Oui, oui, parce que. C'est bien ce que je disais. C'est bien ce que tu disais. Tiré donc de la comédie musicale Roméo et Juliette, oui. Voici les micro-ondes.
ça peut donner des boutons sur les yeux. Nous, on n'a pas le temps de cuisiner, on sait faire que des attoupés, des surgelés, on est nucléaires, des couleurs, une table d'âme, une grand-mère seule, des jetés. Nous, on est bien transpirés, dans le soir, on a la dalle, pour nous, c'est l'idéal. Les micros, non, aucun de nous, humains, ne les restaure. On les remplace, c'est de l'eau des machines. Et y'a des robots fabriqués en usine. Les micro-ondes, même à privas, c'est pas dangereux, la preuve c'est que tout le monde en a. Le seul problème, on ne peut pas en rougir, c'est qu'à tant de modèles, qu'on sait lequel choisir. Maintenant, bon appétit. Il lui faut sa pasta box tous les soirs. C'est comme ça. Bien. Et maintenant, une page de publicité. Oui, 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 une page de publicité. À vous. Oui. Anniversaire de la grand-mère, celle qui pourrait devenir centenaire. Un bon repas, tout le monde est là, et l'on fait passer les plats. Purée rôti, c'est le paradis, mais la mamie veut du jus dans le puits. Hélas, grand-mère n'y voit plus clair, et renverse la saucière. Oh, 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 mamie! Ah, voilà, du sopalin, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car le sopalin éponge les taches les plus immondes. Il suffit d'une main et en deux secondes c'est sec et tout va bien, ayant toujours du sopalin. C'est le baptême du petit Guillaume, un ange blanc de 22 semaines. Qu'il est mignon, ce beau poupon, et ma foi pas maigrichon. Dans le bénitier, il est plongé, mais au moment de le récupérer, il est mouillé, et monsieur le curé laisse échapper le bébé. Oh punaise! Ah, voilà du sopalin, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car le sopalin éponge les plaies les plus profondes. Il suffit d'une main et en deux secondes c'est sec et tout va bien, ayant toujours du sopalin. Allez nous Sainte, allez à voir, on va chanter du sopalin. À vous. La 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 la. Oui car le sopalin. À vous. La 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 la. Du sopalin, oui!
Ils sont pas là. Bien. Merci de nous ramener après les rouleaux. Parce qu'avant, on les donnait, mais maintenant, il n'y a plus d'argent. Voilà, c'est ça. Faire des économies. Bien, vous avez beaucoup de chance ce soir, car nous sommes samedi. Et tous les samedis, eh bien, nous accueillons un artiste exceptionnel. Si vous étiez venu hier, vendredi, vous ne l'auriez pas eu. Ne venez pas demain, dimanche, il n'y serait pas. Ça, il ne sera pas. Pourquoi ? Parce qu'il ne vient que les samedis. Voilà. Si vous étiez venu hier, hein ? Si, non, dimanche, il ne sera pas. C'est... Pourquoi est-il exceptionnel, cet artiste-là, hein ? Je vous le donne, Émile. Il a fait pendant 6 ans la première partie de Franck Michael, oui, au Casino Supérette de Simon de Pelloye. Une référence. C'est sa seule date en France, au Théâtre Gallia à Saintes, n'est-ce pas ? Il s'agit d'un ventriloque, qui s'appelle Marconi. Voilà. Il est accompagné d'une petite marionnette qui, elle, a pour nom Pat. Voici donc... Mesdames et messieurs, voici donc Pat et Marconi. On les applaudit très très fort. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Tu ne dis pas bonsoir à nos amis. Et pourquoi, s'il te plaît ? Comment ça, ils sont pas beaux ? Moi, je les trouve formidables. Mais enfin, est-ce que tu sais au moins pourquoi nous sommes ici ce soir ? Je sais pas ! Eh bien, nous sommes ici pour participer à la soirée de l'orchestre du Conservatoire de Saintes, avec le spectacle de chansons plus bifluoré, cuvée spéciale. Oh, mais j'en connais un qui l'a déjà goûté, la cuvée spéciale. Enfin, je sens ce que je dis. En tout cas, nous sommes très fiers. Comme de la bière. Et comblés. Comme du rosé. D'être ici. Comme du whisky. Pour accompagner ces merveilleux vignerons de la chanson. Comme des pastrons. Mais est-ce que tu sais, au moins, comment les bifluorés se sont rencontrés ? Eh bien, c'était à Montpellier, dans un célèbre cabaret spécialisé dans le radio-crochet. Voilà. Ah oui, c'est ça. C'est la radio du capitaine Crochet. Ah non, c'est pas ça. Il faut que je vous explique. Non, c'est pas ça. Le capitaine Crochet, il était tombé sur son bateau. Il était tombé sur son crochet. Oh là là. Et puis son crochet, il était tout cassé. Mais on savait pas où il était cassé, le crochet du capitaine Crochet. Alors, pour savoir où il était cassé, le crochet du capitaine Crochet, alors, vous savez pas. Alors, on lui a fait une radio. La radio du capitaine Crochet. Alors, quand on a vu la radio du capitaine Crochet, on a dit, oh oui, c'est là qu'il est cassé. Le crochet du capitaine Crochet. Alors, quand vous savez où il était cassé, le crochet du capitaine Crochet, eh ben, vous savez pas, on lui a mis un plâtre. Oh. Un plâtre sur le crochet du capitaine Crochet. Tu te rends compte ? Non. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. Oh, je suis déçue. Ah ben, tant pis, mais c'est pas ça. Oh, je suis déçue. Ah ben, peut-être, mais c'est pas... Je suis déçue. Je me demande si t'es pas déçue. Oh, je suis déçue. Non, en fait. Je suis madame déçue. Oh, je suis déçue. Oh, je crois qu'on a compris. Je suis déçue. Je vais pas pouvoir finir. Bon, mais non. Mais parce que je suis déçue. Oh. Non, du crochet, à l'époque. Oui.
C'est un concours à la radio ou à la télé et qui a permis à un certain nombre d'artistes de devenir de grandes stars en interprétant des chansons et autres petits airs connus. Voilà. Des petits airs connus. Oui, exactement. Ah, bonjour, la petite gâte tripe, on est vite avec vous. Ça va pas, non? Mais quoi? C'est un petit air connu. Oh, mais toi, quand même. La petite Huguette. Excusez-le, mesdames et messieurs, vous avez des fois... C'est un petit air connu. Oh, ça va, oh. La petite Huguette. C'est un petit air connu. Vous connaissez ça, la petite Huguette? Bon, allez, on va chanter la petite Huguette. Ah, non, 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 oh. Mais quoi? La petite Huguette. Oh, Pat. Là, tu commences à m'énerver. Oh, mais dis donc. C'était pas la peine que je vienne. T'avais qu'à le faire tout seul, ton sketch. C'est une idée, ça. C'est une idée. Je m'en désintéresse totalement. Oui, mais en tout cas, le radio. C'est un concours. À la télé. Oh, oh. Si tu continues. Brrr, je te remets dans ta caisse. Oh non, pas la caisse, ah non, 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 pas la caisse, ah non, ah non, pas la caisse, ah non, non, ah non, pas la caisse, ah non, Marco. Non, pas la caisse, Marconi. Non, je vais chanter une belle chanson, Marconi, mais pas la caisse. Oh, 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 oh. Tu crois pas que tu en fais un peu trop? Marconi, pas la caisse. Bon, ça va, on a compris, tu vas la faire ta chanson. Merci. Hop, 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 hop. D'abord dis-moi, elle est de qui? De Claude Nougaro. Ah, Nougaro. Et elle s'appelle comment? Toulouse. Oh, Toulouse. Alors là, nous t'écoutons. Tu es sûr? Nougaro. Sûr, 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 sûr. La caisse. Crème, 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 crème. Bon. Qu'il est long, mon pénis, qu'il est long. Ah non. Mon pénis. C'est qu'il insiste le bout. Alors, ça dépasse tout. Mais qui a bien pu lui apprendre ça? Un tel monument de la chanson. Mais tu devrais avoir honte. Tu es fâché? Non. Si, tu es fâché. Non, je ne suis pas fâché. Tu n'es même plus. Mais si, je t'aime. Mais. Il m'aime. Dis donc, Pat, on n'aurait pas oublié quelque chose par hasard? Si, si, t'as pas oublié d'être con, ça c'est sûr. Parce que, avec ta main dans mon dos et tes vannes à deux balles, ça fait 25 ans que tu fais plus rire personne. Hein. C'est vrai, c'est trop drôle. Mais tu t'es vu, toi, avec tes petites pattes molles, là. Et je t'emmerde. Bonsoir. Hey. Je me présente Luca Stafior. Et je suis beau, hein? Hey, c'est le gilet de Luis Mariano, qui l'a donné ensuite à André Dassari, qui l'a donné à Giorgio Guettari, qui l'a donné ensuite à Luciano Pavarotti, qui l'a confié à Aurélie Filippetti, et qui me l'a donné ensuite à moi, Luca Stafior, spécialiste du bel canto con piano. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, le bel canto con piano? C'est très simple, c'est le bel canto, voyez? Oh, le bel canto, voyez? Mais avec le piano. Luca Stafior, spécialiste du bel canto con piano. Et voilà. Alors on y va. Merci l'orchestre. Alors,
Qui dit bel canto dit le piano, ça tombe bien, j'en ai un beau là. On y va, bel canto con piano, c'est parti. Bon, ça c'est l'intro. Ça sonne, hein? Oh là là, ça sonne. Attention. Il était une fois dans un bricorama, près des tubes de graisse. Exposé nuit et jour au rayon gaz et four, un bel outil d'amour. Un jour, monsieur Jean-Paul, un as de la bricole, cherchant un truc qui perce, au détour d'un couloir, découvrit par hasard cet engin de bazar. Grosse chignole de mes amours, oh, tous les murs tu perceras, rien qu'à la force des bras, bois et béton tu pénètres. Grosse chignole de mes amours, pas besoin de branchement ni de prise de courant, écolo avant la lettre. Tu fais vibrer mon être, je t'aime, oh ma jolie chignole. Elle fonctionnait si bien qu'un jour le roi Merlin lui fit cette promesse. Ah ben là, dis donc, quelle promesse? Écoute-moi, chignole, tu auras le plus beau rôle en tête de gondole. Là tu feras la nique aux perceuses hystériques sans fil ou électrique. Et l'on verra ainsi les bricoleurs ravis nous chanter jour et nuit. Grosse chignole de mes amours, en tous les murs tu perceras, rien qu'à la force des bras, bois et béton tu pénètres. Grosse chignole de mes amours, oh, pas besoin de branchement ni de prise de courant, écolo avant la lettre. Tu fais vibrer mon être, je t'aime, oh ma jolie chignole, cha cha cha, grosse chignole. Merci pour lui. Eh bien, il est temps maintenant d'accueillir un invité. C'est un invité prestigieux, c'est quelqu'un d'assez atypique, c'est un chanteur de charme. Et il est, m'a-t-on dit, spécialisé dans la crounerie. De plus, ce talent exceptionnel se double d'un citoyen éco-responsable, puisqu'il est producteur éleveur de poulets bio à Bongrain-Montgésier, dans le Périgord noir, ça ne s'invente pas. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir comme il se doit le grand, l'unique Francis Natra. Francis Natra, on l'applaudit. Bonsoir. Bonsoir, synthèse, c'est synthé. Quel bonheur de vous retrouver ce soir après tant d'années. La belle bio, le pou-
est certifié sans problème. La belle bio, le poulet sans aucun OGM. Qui picore les petits verres avec tous ses copains, qui se balade dans le petit matin. Élevé en plein air à la ferme. Oui, la belle bio, jolie poule qui recoule au marais nu. Quand tu manges à la crème ou que tu sois rôti. Sur ton dos, est inscrit. La jolie poulette, ça oh, mais que nous arrive-t-il? Sommes-nous en train de faire une bêtise? La belle mieux. Extraordinaire. Écoute, tu m'as ému, tu m'as bouleversifié. Et tu sais, c'est fou le talent que tu as. Merci infiniment. Non mais je parle de la poule. Quant à toi, ma cocotte, tu dépotes un max. Tu sais, si un jour je devais te noter, je te mettrais 200 sur 20, 220. Si un jour, if one day tu ponds des œufs, you pond the eggs, je voudrais bien que tu me gardes quelques petits poussins, some little chickenies. En attendant, je te kiffe à la coque. Ah, ça c'est... Je te kiffe à la coque. C'est drôle. Bah, quoi t'as peur? Quoi t'as terrible drame si c'est joué? J'ai trouvé ça en coulisses. Mais dis-moi, est-ce que c'est un poulet bio? Mais non, c'est Xavier. Regarde, il danse. Pa, 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 pa. C'est Xavier, tu veux me dire que ce poulet est Xavier? Oui, c'est Xavier. Mais oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah, eh ben, il fait si chaud en coulisses, il s'est tout ratatiné. Il s'est tout ratatiné? Il s'est tout ratatiné. La belle bio, oui, parodie de la belle vie. Chantée, immortalisée par Sacha, Distel, bien sûr. Bien. Le moment est venu maintenant de la grande carte blanche à l'orchestre extraordinaire de musique du Conservatoire de Saint-Étienne-les-Chœurs. Préparatoire, Conservatoire de Saint-Étienne-de-Rochefort, eh bien, de la grande musique vous attend, vous allez écouter, vous allez vous cultiver. Ce soir est un grand soir, mesdames et messieurs. Je vous laisse avec eux, et elle, et lui.
Je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Quelle année, cette année-là? Oui, cette année-là. Le rock'n'roll aurait déjà ses ailes. Le plus doux se sentit belle, belle, belle. Des ados, des comme ça. Ils disaient ça. Ah, c'était scandale! C'est un véritable scandale! On avait dit classique! Classique! Attends, moi c'était pour rendre service. C'est vrai qu'on avait dit classique! M'en fous, moi! Classique! Je veux bien donner un coup de main, mais moi faut pas. Meine Damen und Herren. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage de vous présenter sous la direction de l'éminent Johann Klaus von Richard. Je vous en prie, maître. Ainsi que l'orchestre magnifique du Conservatoire de Sainte, qu'on peut applaudir. Et deux ensembles mélangés, ils vont vous interpréter une petite pièce chanlite qui s'intitule Am diesem Jahr. On les applaudit, bien entendu. Musique, bitte! Monsieur Lafarge. Thank you.
Merci pour eux. C'est bon. Bonsoir. Oh, j'ai dit bonsoir. Et la politesse. Attention. La chanson que nous allons vous interpréter maintenant, nous la dédions à tous nos compatriotes injustement prisonniers pour avoir justement occupé la paillote de M. Christian Clavier. Le rigolo. L'ami de qui vous savez? L'autre rigolo. Tu es prêt? Attends, il me manque l'accessoire. Ah, l'accessoire. C'est l'accessoire, ça. C'est l'accessoire. Et il est bon. Ah, tu trouves? Je plaisante. Comme quoi, on peut plaisanter avec un corse. Pas vrai? Oui, mais faut pas. Ah. Du petit Ajaccio, on ne danse pas le mambo. Le mambo, c'est pas bon. Ni le bebop, ni la biquine. Ni le rap. Mais un vrai tango d'origine. Chiqui, chiqui, chiqui. Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est l'avant-goût de l'oreiller. Se déplace pour être sûr qu'on ne dort pas. On se prélasse. Le tango corse, c'est comme ça. Quand Dominique est fatigué de voir les autres travailler, il se donne un peu de repos, juste le temps d'un petit tango. Hey. Tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est de la sieste organisée. Dominique se croit déjà en pyjama. C'est magnifique. Le tango corse, c'est comme ça. Un jour, des musiciens du Nord ont joué trop vite et trop fort. Les fatas. Un vrai tango de salarié, on les a jamais retrouvés. Le tango corse pour le courage fatigué.
chacun ses airs en même temps que l'accordéon. Et l'on soupire, le tango corse que c'est bon. Quand à bout de force, quand à bout de force, on va s'étendre une heure ou deux, une heure ou deux. Le tango corse, c'est encore là qu'on lance le mieux. Qui me rappelle. Et non, mon petit cousin, Marc Fittuccelli. Non, Vador, Marc Vador. Et d'où il vient ce Vador? Ben, de Star Wars. Star Wars? Et c'est quoi Star Wars? Non, tu connais pas Star Wars, la saga qui se passe dans l'espace, là. Et c'est lui, notre prochain invité. On le dit. Alors, Marc Vador. Jedi, un grand Jedi. Je te le dis, Anakin, ce n'est pas le bon choix. Tu as tué ton maître Obi-Wan, mais son esprit reviendra. Et l'Alliance, oui, comme toujours, va triompher, finira. Et ton fils Luke te combattra. Je veux respirer, sortir de cette terrible armure. Je veux respirer. Pourquoi toujours être un guerrier? Je veux respirer. Si je pouvais tout recommencer, je veux respirer, je veux respirer. Yoda, Yoda, grand maître Yoda, King Vegeta, yo, bête de vie, yo. Yoda, Yoda, grand maître Yoda, Skywalker, hey, au Padawan, hey, Darth Vader se sacrifie pour son fils Luke. Je suis un Jedi, un grand Jedi. Aïe, 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 aïe. Je suis un Jedi, un grand Jedi. Aïe, 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 aïe. Hey, 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 hey. Princesse Leia, da, 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 da. Je suis un Jedi. Sacrifie pour toi, mon fils Luke. Je suis passé du mauvais côté de la force. Et toi, Dark Sidious, tu m'as tué. Mais moi aussi, je t'ai tué. Hey, 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 tout le monde! Hey, 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 Princesse Leia, da, 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 da. Je suis un Jedi. Hey, Princesse Leia.
le shaker à chanson. Le shaker à chanson. Ah, mais je ne vous entends pas. Le shaker à chanson. Le shaker à chanson. Alors, je vous en rappelle brièvement le principe. Nous avons volontairement mélangé des chansons, texte de l'une sur musique de l'autre et vice-versa. Tout à fait, Xavier. Eh oui. Tout à fait. Et nul n'est besoin d'ailleurs de vous présenter les deux chanteurs, les deux artistes qui vont venir maintenant sur cette scène, tant ils sont prestigieux. Et oui, X. X. Nul n'est besoin de vous présenter leurs deux chansons, tant elles sont archi-connues. Et oui, X. Oui. Simplement, eh bien, pour cette séquence, oui. Oui, nous allons nous permettre de demander pardon à l'avance. À tous leurs héritiers. Oui, et à tous leurs ayants droit. Mesdames et messieurs, le shaker à chanson. Le shaker à chanson, de retour. Le shaker à chanson. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles. Dans le ciel, par-dessus les toits, et du soleil dans les rues. Il y a de la joie partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur va chavirer, chancer. C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour, les demoiselles. Il y a de la joie partout, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Il y a de la joie. Partout, partout. Il y a de la joie. Le shaker à chanson, mesdames et messieurs, le shaker à chanson. Maintenant, on mélange les deux chansons à l'envers, Léo Ferré, Charles Trenet, avec Le temps, il y a de la joie, et ça donne ceci. Avec le temps, avec le temps, tout s'en va, on oublie le visage, on oublie les voix, le cœur quand ça va plus, pas la peine d'attendre, faut laisser aimer, c'est avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on a doré qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on a vidéo des tours de chemin. Avec le temps va, avec le temps, oui, le temps tout s'en va. Les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ces gueules. Galerie farfou dans les rayons de la mode. Le samedi soir quand la tendresse en a plus de terre. Avec le temps, oui, le temps s'en va. Toi à qui l'on croyait pour un rhume ou un rien, à qui l'on donnait du vent et des bijoux. Avec le temps, oui, le temps te va bien. Avec le temps, avec le temps va tout s'en va. On oublie, allez, sainte, les passions, on oublie. Et moi qui disais tout va, le mot des pauvres gens ne rentre pas trop tard, va, va, va. Avec le temps, avec le temps tout s'en va. Et on se sent blanchi comme les cheveux faux. On se sent placé dans un hasard. Avec le temps, on aime l'air. Oui. Le shaker a. Bien, la chanson qui va suivre faisait partie de notre tout premier spectacle dans les années 80 et quelques brouettes. Et un soir, enfin à la sortie d'un de nos spectacles, nous avons eu la surprise et la joie de rencontrer son auteur à cette chanson. Il s'agit de Francis Lemarque. Et de cette rencontre était née une très fidèle amitié.
Fleur au fusil, tambour battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Un adjudant pour surveiller ses pas. Et son barda contre son flanc qui bat. Quand un soldat s'en va en guerre, il a dans sa musette son bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Partir pour mourir un peu à la guerre, à la guerre. C'est un drôle de petit jeu qui ne va guère aux amoureux. Pourtant, c'est presque toujours quand revient l'été qu'il faut s'en aller. Le ciel regarde partir ceux qui vont mourir au parc annoncé. Des hommes, il en faut toujours, car la guerre, car la guerre se fout des serments d'amour. Elle n'aime que le son du tambour. Quand un soldat s'en va en guerre, il a des tas de chansons et des fleurs sous ses pas. Quand un soldat revient de guerre, il a simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà. De l'universelle patrie puisse venir le jour rêvé de la paix, de la pêcherie, le rameau sauveur élevé, le rameau sauveur élevé. On entendra vers les frontières les peuples levant les bras crier, il n'est plus de soldats, soyons unis, nous sommes frères. Plus d'armes, citoyens, rompez vos bataillons, chantez, chantons. Que la paix féconde nos sillons.
l'orchestre de chambre du Conservatoire de musique et de danse de la ville de Saintes, avec la participation d'élèves du Conservatoire de Rochefort, de leur professeur Laurence Bailly, sous la direction de Jean-Nicolas Richard. Avec le chœur de classe de formation musicale de Delphine Chaublet. Bravo. Oui, remercie au son notre ingénieur du son, Ben. Notre ingénieur des lumières, Tony. Yeah. Et à la mise en scène, Marinette Ménian. Marinette Ménian. Merci à vous, merci à la ville de Saintes. Merci à tous ceux qui font que la culture existe encore dans ce beau pays. Merci. Ok, on en fait une, mais alors, ce qu'on va faire, parce que comme on est samedi, et tous les samedis, on a l'habitude de faire une chanson qu'on appelle la chanson impro, c'est-à-dire que j'invente la musique et vous, vous inventez les paroles. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je ne sais pas. Do dièse, allons-y. Voilà le thème musical, n'est-ce pas, que je viens d'inventer. Quoi ? C'est vrai ? On en faudrait un thème, je ne sais pas, un thème. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme thème ? La vaisselle ? Mais c'est insensé comme thème. Essayer la vaisselle. Alors, c'est la première fois qu'on me demande ça. On essaye. On y va. Faut que vous chantiez hein, parce que vous improvisez. À vous. Moi je fais la vaisselle. C'est bête, mais je suis fait comme ça. C'est bien. Je la veux vraiment belle. Sinon. Eh bien, je la fais pas. Merci. Tout en douceur. En moins d'une heure. Et je frotte si fort que les plats s'en souviennent. Je la trempe d'abord. Ça fait moins de problèmes. Attention. Si je pouvais la faire briller de tous côtés, si je savais où la ranger, je ne veux pas la voir, non, sur un égouttoir. La vaisselle doit être essuyée aussitôt. De l'eau. Moi je fais la vaisselle. Eh bien, pas moi. Je suis fait comme ça. Tant pis pour toi. Je la veux vraiment belle. C'est un peu gras. Sinon, je ne mange pas. J'y crois pas. Tout en douceur. Mieux que ma sœur. Si je pouvais la faire briller, tu n'y arriveras jamais. Si je savais la venger, des traces de joie, je ne veux pas la voir. Il y en a sur des tas, égouttoir et des poils. La vaisselle doit être essuyée aussitôt. Enfin, je vais la faire briller de tout que tu es. C'est ce que je sais, la ranger. Je témoigne ce soir. Il y a peu d'espoir. Ce sale égouttoir. La vaisselle doit être essuyée aussitôt. Sorti. Oh.
Merci, merci, je suis très touché, merci beaucoup. Bien, y a du rap. On va faire du rap. Donc, elle s'appelle Y a du rap. Non, je plaisante. Bien, une chanson donc pour terminer. J'arrive pas à me faire. C'est déjà fini, quoi. Enfin bon, faut savoir se quitter pour se retrouver, n'est-ce pas? Bien, donc une chanson pour terminer, qui vous rend hommage avec la complicité de Monsieur Georges Brassens. Du peu. Les Brassenses. On vient d'avoir 25 ans, voire un peu plus, pourtant, cependant, c'est notoire. On n'est pas vraiment des stars brillantes au firmament. Et même si c'est agaçant, le plus important pour nous c'est que ce soir, on vous dédie ce refrain chantant résolument. Sans hésitation, oui, vous êtes le bon public, bon public, bon public, intelligent, cultivé, critique, que des chances honnêtes. Sans hésitation, oui, vous êtes le bon public, bon public, bon public. Et nous les trois comiques lyriques, grâce à vous on vit de la musique. Commence à Montpellier dans un petit cabaret, à quel hasard bizarre. Deux duos sont programmés dans la même soirée. Une trentaine de bières après un quatuor aîné, affublé bien plus tard. Du doux sobriquet de chansons plus bifluorées. Sans hésitation, oui, vous êtes le bon public, bon public, bon public. En encourageant et fort sympathique, des gens vraiment chouettes. Sans hésitation, oui, vous êtes le bon public. Bon public, bon public. Et nous les trois comiques lyriques, grâce à vous on vit de la musique. Et du Bourget à Avignon, les francopholies, le festival de Nyon. Après l'Olympia, on pensait que c'était gagné. Quand Bobo nous a quittés, ça nous a déglingué, mais le temps a passé. Et 20 chansons plus tard, un nouveau spectacle est né. Sans hésitation, oui, vous êtes le bon public, bon public, bon public. Pas du style blasé radin sceptique qui fait jamais la fête. Sans hésitation, oui, vous êtes le bon public, bon public, bon public. Et nous les trois comiques lyriques, grâce à vous, on vit de la musique. Si un jour on décidait qu'on ne peut plus continuer, qu'on n'y arrive plus, il est sûr que bien des soirs on manquera d'amour. Aussi ces 25 années, on veut bien les doubler pour ne pas vous quitter. Et dans 25 ans de plus, on chantera toujours. Sans hésitation, oui, vous êtes le bon public, bon public, bon public. Passionné, fidèle et romantique, pas des procs, c'est net. Sans hésitation, oui, vous êtes le bon public, bon public, bon public. Et nous les trois comiques lyriques, grâce à vous on vit de la musique. Et nous les trois comiques lyriques, on vous remercie, c'est fantastique. Merci, bonsoir. Bien, bien Jean-Nicolas, bien avec nous. Oui, merci. C'est bon.
Merci à vous. Bon, on en fait une petite dernière là. Allez, si on est bien chaud, après, voilà. On est très chaud. On est chaud là. On va faire le petit thème du shaker à chanson, Léo Ferré Charles Trenet, la deuxième partie. Avec le temps sur les paroles, il y a de la joie. Évidemment, ça tombe sur moi, merci. Non, le contraire. Il y a de la joie sur les paroles avec le temps. Je me suis trompé. Vous trompâtes. Hein? Mais ça ressemble à trompette. Oui, t'inquiète, je vais taper le con. De toute façon, on s'en fiche, ça n'existe pas, c'est un truc en plus. Ça. C'est pas capté, hein. Vous filmez pas, ça c'est entre nous. Hein. On y va, ouais. Le shaker à chanson. Attention, c'est parti. Allez. Avec le temps, va tout s'en va, on oublie les passions, on oublie, voit le cœur quand. Ça va plus, pas la peine d'aller, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, va tout s'en va, l'autre qu'on a doré, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on donne. Vinéo détourne un regard, avec le temps tout s'évanouit. Avec le temps, oui, le temps s'en va. Qui on croyait pour un rue, les plus de souvenirs, ça t'a une de ses gueules. La gage pas fou dans les rayons de la mort. Avec le temps, oui, le temps s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rue, pour un rien, à qui l'on donnait du vent et des bijoux. Avec le temps, oui, le temps te va bien. Avec le temps, là, tout s'en va. On oublie les passions, on oublie les rois qui disaient tout bas les mots des pauvres gens, ne rentre pas trop tard. Avec le temps, tout s'en va et on se sent blanchi comme un cheval fourbu, on se sent glacé dans un. L'orchestre de chambre du Conservatoire de musique et de danse de Saintes, la ville de Saintes, les chœurs de classe de formation musicale de Delphine Chaublet. On les applaudit. Merci à vous. Merci, c'était une soirée extraordinaire. Ils ont vraiment été extraordinaires, ils ont chanté comme des dieux. Et nous, eh ben, on est très heureux d'être ici ce soir. Merci encore et à tout à l'heure dans le hall. Salut. Rideau.